Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans un... Bienvenue dans un... Pardon, je bafouille. Bienvenue dans un nouveau Camisus, avec aujourd'hui Street Hop en version MVS Neo Geo. Donc là, j'ai branché pour le coup mon slot MVS et Super Gun. Donc c'est pas une version AES console. C'est bien une version... d'origine arcade. Donc je prends la manette et on va commencer dans Street Hop. C'est un jeu de basket comme vous pouvez le voir. Attendez voir, c'est pas très bien cadré comme d'habitude hein, ça reste très old school. Alors vous pouvez voir qu'il y a plusieurs équipes disponibles, France, Espagne, États-Unis, voilà, Japon, Angleterre, Italie, Chine. Donc moi je vais prendre le Japon. Et le match va se passer contre l'Allemagne. Voilà, donc là j'ai réussi à rattraper la balle et à faire un 3 points. Donc les touches sont assez simples, le bouton A sert à shooter et le bouton B sert à faire des passes. Donc le même bouton A permet d'arracher le ballon à quelqu'un ou d'empêcher de marquer. Voilà, comme j'adore faire des 3 points, j'en fais. Voilà, je me suis raté. Je parle peu pour vous faire profiter du jeu. Ouais, cette vidéo fait un peu office de découverte à la fois pour moi et puis pour vous. Ça fait, je l'ai depuis quelques jours, mais je viens juste de brancher le matériel. Voilà, un petit shoot classique, un petit 2 points. Voilà, belle action des Allemands avec le ballon enflammé qui pète le panier. C'est vraiment très très sympa. Et moi je fais encore un 3 points pour essayer de me rattraper. Alors le truc à savoir c'est que tout à l'heure, là j'ai perdu, mais alors tout à l'heure, évidemment, hein, encore un effet de la vidéo. Tout à l'heure, avec la même équipe, j'ai remporté un match. Mon seul match, hein, parce que la fois d'avant, j'avais perdu. Donc, je disais, j'avais remporté un match où je m'étais pas trop mal débrouillé, où j'avais fait à la fois des shoots avec la balle enflammée, qu'une petite action sympathique où le bonhomme part assez haut et
il retombe avec la balle. Enfin, il met la balle dans le panier, quoi. J'ai trouvé ça vraiment très sympa. Je vais prendre n'importe qui. Allez, les Italiens pour changer. Ouais, moi bah, je fais n'importe quoi. Ah, je fais n'importe quoi. Alors, que dire, c'est un bon jeu. Super fun. Assez joli. Il est super maniable. Il est vraiment facile à jouer. Il n'y a que deux boutons. C'est vraiment pas... C'est vraiment pas compliqué. Les 3 points sont quand même assez faciles à passer, même si je me suis raté. C'est comme pour tout, faut se concentrer un tout petit peu. Mais franchement, c'est très facile d'accès. Là, voilà, un petit contre pour rattraper la balle. Et je fais n'importe quoi, j'étais même pas en dessous du panier. Voilà. Voilà un petit 3 points bien placé pour l'Italie, mon équipe. Voilà, c'est ça que je vous parlais. Je l'ai fait tout à l'heure lors d'un match quand j'utilisais l'équipe japonaise. Moi, ça me donne l'impression que ce genre d'attaque, on les fait plus ou moins automatiquement, à condition d'avoir déjà placé des bons paniers avant, quoi. Voilà, si jamais on se rate, ça marchera pas. Hein. Si on a raté plusieurs paniers, je veux dire, voilà, ça va pas le faire, quoi. Bon, bah écoutez, je pense que voilà, quelques minutes suffisent pour vous montrer ce jeu là donc ben, j'espère que ça vous a plu. C'est faut savoir que c'est le seul jeu de basketball sur Neo Geo, donc il existe aussi, il existe une version console identique, donc sous le même nom, hein, Street Hope ou Dunk Dream. Voilà, tout dépend si c'est la version US ou japonaise. C'est le même jeu. Sympa ça, hein. C'est le même, voilà, c'est vraiment le même délire. C'est très fun, c'est super joli. Les animations sont bien foutues. Les personnages, ben, ils ressemblent à quelque chose, hein. C'est pas comme, même si j'aime la Mega Drive, hein, c'est pas comme certains jeux de basket, un peu... graphisme un peu limité ou comme sur Super NES, je veux dire, il y a des bons jeux sur Mega Drive, quoi, mais là, bon, c'est quand même de l'arcade, le jeu a des beaux sprites, c'est un très bon jeu de basket, hein. Les musiques, quant à elles, sont
sont dans l'esprit parce que c'est du basket de rue. Mais bon, musique un peu hip-hop, donc c'est pas quelque chose qui me plaît plus que ça. Ça me plaît pas du tout en fait. Mais bon, par rapport à l'esprit du jeu, ça va, ça passe. Mais de toute façon, je pense pas qu'on aurait pu mettre autre chose comme musique. Donc ça colle assez bien. Voilà, je me répète, mais graphiquement, c'est vraiment sympa. Une maniabilité vraiment impeccable. Aussi bien pour les puristes. Enfin, c'est pas technique, mais voilà, c'est une bonne prise en main immédiate. Voilà, tout seul comme à deux, on s'amuse vraiment bien, c'est très sympa. Voilà, un jeu que je recommande et je veux dire, si je devais lui donner une note, je pense que je mettrais un petit... allez, et je mettrais un 17 sur 20. Voilà, 17 sur 20 pour Dunk Dream Street Hop sur Neo Geo. Voilà, c'était la version MVS. Bon, je vous retrouve bientôt pour justement un prochain avis, un prochain test sur un autre jeu qui sera Double Dragon sur Neo Geo MVS. Voilà, donc je vous dis à bientôt, laissez-moi vos commentaires. Et en même temps, un petit clin d'œil, je salue un ami Bruno qui commence depuis quelques semaines une collection MVS. Voilà, j'espère que tu regarderas cette vidéo. Et bah, bien sûr, je salue tous les abonnés et tous ceux qui me connaissent. Allez, à bientôt!